Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc il y a mes copines que j'ai invitées pour cette super vidéo. Donc en premier il y aura Élise. Coucou tout le monde. Allez, je rigole. Voilà, c'est moi, salut tout le monde. Et roulement de tambour, il y a Julie. Salut tout le monde. Bonsoir. Alors on va faire un petit jeu qui de nous trois est la plus, donc ça peut être la plus gourmande, la plus drôle. Et on a à chaque fois donc trois petites étiquettes avec mon prénom décrit. Et à chaque fois l'inverse, donc Élise et Julie, et inversement. Et du coup il y aura différentes questions, on va devoir à chaque fois y répondre qui de nous trois est la plus, par exemple gourmande. Ben, si je dis que c'est moi, donc je lèverai mon étiquette. Et voilà, on a différentes questions sur différents sujets. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, à tour de rôle, on va chacune lire une question. Donc c'est moi qui commence la première, tata. Alors, qui de nous trois chante le plus souvent? Moi, moi j'ai mis... oui, du coup. Ouais, moi, j'ai mis Élise. Ben, moi, je trouve que c'est toi qui chante. Non, je pense que tu chantes quand même pas mal. Ah, c'est moi qui chante beaucoup. Ouais, hein. Ouais. Bon, ben... Alors, qui de nous trois est la plus sportive? Ah voilà, c'est juste ouais, Céline, bon, voilà, hein, pas de photo. Hein, je fais du basket, je fais quand même voilà, beaucoup de sport. Voilà, je fais quelques footing et puis il y a madame là-bas qui fait du pilates. Elle, elle essaye de faire de la zumba, hein, mais c'est pas trop ça. Hein. Qui de nous trois est la plus ponctuelle? Mais moi j'ai pas tout. Mais oui, mais moi c'était ça que je voulais mettre à la base. Non mais Julie vient surtout 10 minutes avant. Vous avez fait trop vite en fait. Bah, pour moi c'est Julie. C'est toi, tu viens même à l'avance parfois. T'es la première à venir, mais pour moi c'est Julie. Toujours là avant. Ça marche, monde. Ça dépend. Ça dépend. Alors, qui de nous trois est la plus timide? Aucune. Ah ah. Ouais, mais moi j'ai failli mettre aussi Julie, j'ai hésité. Mais moi ça dépend des circonstances. Ouais, mais moi ça dépend aussi en fait. Hein, mais je l'ai dit dans une vidéo, du coup, selon les endroits où je suis, ben, je peux être timide quand je connais pas les personnes. Mais après, au bout d'un moment, comme dit, je suis à l'aise. Mais c'est vrai que sinon, en général, je suis quand même drôle. Qui de nous trois est la plus sociable? Deux, trois. Moi j'en ai deux. Julie, t'es pas dedans. Non, je suis pas dedans. Julie, quand on ne la connaît pas, elle est un peu fermée. Mais quand tu la connais, c'est bon. Mais moi, c'est kiff-kiff parce que Élise, tu mets quand même vite à l'aise quand tu arrives dans un endroit. T'es quand même vachement. Je voulais mettre aussi Élise. Mais et bon, moi, Julie, je suis quand même très sociable. Et Julie, on peut l'éliminer de cette catégorie. C'est pas elle. Je le suis quand même. Mais Naomi, quand même aussi. Naomi, ouais, partout, et moi, c'était en fait les deux. Élise, j'ai aussi hésité au final. Mais tu m'as pas mise. Non, j'ai hésité. Qui de nous trois est la plus mauvaise perdante? Direct. Tous les mauvais perdants. C'est moi. Alors, prochaine question. Qui de nous trois fait le mieux la cuisine? Oh seigneur. Tout le monde a répondu juste. Effectivement, c'est bien Élise qui fait le mieux la cuisine. Vous pouvez venir chez moi si jamais vous avez envie de manger. Qui de nous trois passe le plus de temps à la salle de bain? Oui, effectivement, c'est quand même moi, je pense, qu'il passe le plus de temps. Après, ça dépend aussi. Hein. C'est quand je me prépare ou si je dois me doucher vite fait, je suis quand même assez rapide, on va dire. Ça dépend des moments. Et oui, c'est quand même moi, je pense. Qui de nous trois met le moins de temps à se préparer? Miss. Je dirais que je me prépare très vite. Comparé à mes deux copines qui... Bah du coup je les attends en fait le temps qu'elles... Si jamais vous voulez aller en boîte avec elles, en deux minutes vous pouvez y aller. Pas de problème. Ça c'est sûr. Alors, qui de nous trois est la plus sincère? Moi j'ai mis Élise parce que toi t'es vraiment franche tout de suite, que peut-être moi je vais le dire plus doucement, enfin je suis moins... Je vais dire les choses mais que toi t'es vachement directe. Mais du coup, Naomi, elle dit quand même les choses. Dès qu'elle a quelque chose sur le cœur, elle va voir la personne. Ouais. Elle le dit direct. Mais Julie, ça peut prendre 3 semaines. C'est ça. Mais moi, en fait, ouais, tous les trucs négatifs, c'est pour ma femme. C'est pas grave. Attends, t'auras un bon point. Qui de nous trois dépense le plus d'argent? Direct. Bon, je pense, ça se voit même de par mes vidéos. C'est vrai que je dépense quand même beaucoup dans les vêtements. Ouais. Tout le temps du shopping. Ou les vacances. C'est pas faux. Alors, qui de nous trois est la plus drôle?
Mais... Franchement c'est kiff kiff parce que moi-même je peux rigoler à mes propres conneries, mais comme Élise fait bien, me fait bien rire aussi. Non mais Julie aussi, mais c'est différent. Vous c'est plus spontané. Moi, non mais c'est vrai, on fait plus les conneries toutes les deux on va dire, et Julie ben, rigole à nos conneries, voilà, c'est tout ça. Voilà, voilà. Qui de nous trois est la plus chiante? Alors vous croyez que par cette vidéo on est en train d'acharner Julie, mais c'est pas vrai. C'est la vérité, je suis vraiment chiante. Toutes les questions pénibles c'est pour Julie. Mais on l'aime comme ça. Mais oui. Alors, qui de nous trois est la plus intelligente? Oui, c'est elle qui est encore dans les études, très sérieuse, studieuse. Moi, ça fait 6 ans que je travaille. Julie, bon, elle a repris. Je fais des études, mais elle s'est dit, il faut quand même reprendre les études. Bon, c'est quand même donc. Mais elles sont quand même intelligentes, hein, dans leur manière. Je me débrouille à la limite du raisonnable. Qui de nous trois est la plus gourmande? Ah ouais. Ah ouais? Julie? Bah, moi c'est moi. Moi, je mange quand même énormément. Mais honnêtement, à longueur de journée. Quand on est en soirée et qu'on fait des apéros, c'est plus toi qui manque le plus quand même tout le temps. C'est et tu peux encore manger après. Ouais, mais qui met beaucoup de snaps de bouffe, c'est Julie aussi. Bon, alors, ma story est pleine de nourriture. C'est kiff kiff. Qui de nous trois regarde le plus la télévision? Effectivement, c'est Julie, c'est de famille. C'est dans la famille, on est très. On vit que par la télé. La télé fait partie de la famille. Ben moi, de par mon travail, je ne peux pas. Je regarde pas spécialement la télé. Et donc, moi non plus, je n'ai pas forcément trop le temps. Mais je regarde beaucoup les snaps à Julie qui met beaucoup de télévision. Donc voilà. Mais tu sais. Tant mieux pour elle. Hein. Alors, qui de nous trois est la plus ordonnée? Ouais. Ordonnée et maniaque. Très maniaque. La chambre est rangée au carré. Tout est au carré chez moi et rien ne dépasse. Qui de nous trois fait le plus de shopping? C'est moi. Bah, comme vous le savez, hein, comme d'hab, hein, une fois par semaine ou... Non, même pas autant, mais c'est vrai que je fais souvent... Une fois tous les deux jours. Non, quand même pas avec le travail, mais c'est vrai que je fais souvent du shopping. Qui de nous trois est la plus sur les réseaux sociaux? Effectivement, bah, c'est de nouveau moi, que sur ma chaîne YouTube, Instagram, enfin... Vachement connectée quand même sur les réseaux, tout le sur temps. Snapchat. Snapchat aussi, Instagram, faire la photo, tout ça. Qui de nous trois est la plus bavarde? Je voulais mettre les trois aussi, mais. Parce que Julie, je vais te raconter une histoire qu'elle est juste allée à la boulangerie acheter du pain. Mais je la raconterai. Elle va te l'expliquer en 5 à 10 minutes. Non, mais quand même, Julie, c'est vrai que c'est toi qui bavarde. Je parle quand même le plus, ouais. Vraiment moi, beaucoup. Moi j'ai mis les trois parce que je pense qu'au final on les tous un peu. Mais Julie, c'est vrai en que quand elle raconte des histoires, faut avoir 2-3 cafés autour de soi. Hein, parce que sinon. Faut avoir le temps. Qui de nous trois possède une âme d'enfant? Talalam. Madame Disney, et oui, c'est moi. Je vous la présente. J'adore aller à Disney, je suis dans le monde des licornes. Donc. C'est Julie. Alors, qui de nous trois est la plus sensible? Le caractère fort, mais au final, ouais, c'est quoi? C'est ça. Bon, moi aussi, quand même, je suis très. Je suis quand même vachement sensible, mais c'est vrai que c'est quand même toi le plus. Tu peux être le plus vite touché, quand même. Et, je prends tout à cœur. Oui, c'est ça. Mais oui. Qui de nous trois pense aux dates d'anniversaire? Naomi, elle retient aucune date. Mais oui, j'allais dire, moi je retiens pas les dates. Mais il y a 5 minutes, t'as parlé des dates d'anniversaire de tout le monde? Non, mais Julie, la mienne, elle sait toujours pas c'est quand. Hein. Moi, elle sait pas c'est quand. C'est quand mon anniversaire? Le 4 février. Oh, première fois qu'elle y arrive. Non, moi, je retiens toutes les dates de tout le monde. Le 6 ou le 8 juin. Le 8 juin. Le 8 juin, j'avais juste... Non, mais Julie, elle est calée sur toutes les dates. Mais c'est ça la question qui retient le plus. Ouais. Oui, bah après, quand je sais les années, je fais bien les choses. Mais je veux dire, c'est toi qui es quand même le plus calé, on va dire, en date, franchement. À ce niveau-là, ça va. Qui de nous trois parle le mieux l'anglais? Moi je mets blanc parce qu'aucune de nous trois bien l'anglais. Si, Élise elle le parle bien quand même. Ouais. Ouais, enfin je mixe un peu. C'est allemand, un mélange allemand, et espagnol. Mais on s'en sort, hein, on s'en sort. Ouais, bon, bah, moi c'est personne, mais bon. Qui de nous trois est la plus susceptible? Babi bam boum. C'était sûr, hein. C'est Julie. Ouais. Je suis mauvaise perdante, tu suis susceptible, tu prends tout à cœur, ça se rejoint. Du coup, voilà. T'es la plus susceptible aussi. Qui de nous trois est la plus manuelle?
Vous avez mis... Moi j'ai mis Élise aussi en plus. Pour moi, je dis moi parce que bah, déjà les cadeaux d'anniversaire, je fais quand même toujours des trucs recherchés. De par mon travail aussi, je fais beaucoup. Je suis quand même très mal. Mais après, toi aussi, tu fais des bricots, des choses comme ça, tu fais quand même plein de choses. Ouais, mais Naomi, elle s'y débrouille pas mal. Après, oui, hop, tu fais quand même. Ouais, Naomi plus, mais toi aussi que. Alors, et pour la dernière question, du coup, qui de nous trois a menti à ce jeu ? Et ben. Moi j'ai pas menti. Bah, moi non plus. Moi je mets pas de carte. Je pense que tout le monde a été sincère. Moi je pense qu'on a été sincères toutes les trois. De toute façon on se dit toujours les choses. Donc je pense que au final personne, aucune de nous trois a menti. Bah, de toute façon on se connaît donc. Ah, du coup on a pas menti. Non, j'ai un doute avec toi. Alors du coup c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous note juste ici. Bye.